Bonjour à tous les gars, salut à tous, très très bien, moi ça va superbe. Aujourd'hui on termine les quêtes secondaires de la zone des abîmes retentissants et moi direct après j'enchaînerai avec le 20e anniversaire de World of Warcraft pour la vidéo qui sort le mercredi, celle-ci est censée sortir je pense le jeudi vraisemblablement. Donc on est parti les gars, on va terminer la zone des abîmes retentissants, les quêtes secondaires avec ces deux quêtes-ci, la raffinerie de Nimbelgaz et panique à la raffinerie, on est donc parti. On a donc ici Orsent. Vite, les élémentaires ont envahi la mine de Nibelgaz et tout le personnel de la raffinerie est piégé là-dessous avec eux. Je m'inquiète surtout pour mon fusionné Munderut. Sa mémoire n'est plus qu'elle était ces temps-ci. Si vous êtes mon ami, allez les sauver, lui et les autres. Tenez, prenez cette argile régénératrice. Ça ne fait pas des miracles, mais ça aidera les personnes blessées à faire chemin de retour. Le mieux serait un cristal de soin, mais il ne faut pas rêver non plus. Vous savez quoi faire. J'irai volontiers chercher Munderut moi-même, mais il faut bien quelqu'un pour soigner toutes ces blessures. Très bien. Donc nous, là, on va aller soigner des gens sur le terrain. Et là, on a donc Fendagor, Ferdagor. Je savais que c'était une mauvaise idée de creuser dans cette grotte. Très bien, catastrophique, catastrophe. Oh, c'est affreux, affreux. Ces maudites vermines d'élémentaires empêchent mon personnel de faire son travail à la raffinerie. Notre travail n'attend pas. De tels délais sont intolérables. Vous m'avez l'air assez débrouillard. Allez-y, descendez et détruisez-moi ces élémentaires. La production doit repartir. Je continue à travailler. Très bien. Vous partez. Il y a des bruits de fou dans cette raffinerie. Hein. Dans cette mine plutôt. Raffineuse blessée. Hop, c'est fait. Ok, donc on doit tout... Enfin, on doit en sauver 6 et tuer des élémentaires. Ça paraît assez logique. Hop, on va essayer d'en prendre plusieurs. Comme ça, on va les stack. Et on va tester de faire pas mal de dégâts de zone. On va un petit peu... Ah merde! Ah, ils ont arrêté de m'attaquer. Oh non... Très bien. Donc là on est sur la fin des abîmes retentissants. On a vu hein, ils ont beaucoup de problèmes élémentaires surtout à force je pense de creuser par-ci par-là. Évidemment c'est comme sont les élémentaires dans WoW, ils réagissent assez facilement, assez rapidement. Il y a des élémentaires de tout et de rien. Vous avez des élémentaires de terre, de pierre en Pandarie notamment aussi. Donc pour le coup, pourquoi ont-ils continué à forcer dans la grotte? À forcer dans la grotte, quelle bande d'idiots! Donc apparemment, il faut mieux pas forer ici. En même temps, c'est vrai que si la nature réagit que tu continues de forer, c'est que t'es pas la chip la plus croquante du paquet, évidemment. Bon, j'ai hâte ensuite de voir comment fonctionne le 20e anniversaire de WoW. Hein, on ira se mater tout ça dans. Moi, juste après, vous l'aurez déjà vu sur la chaîne, du coup. Pas mal. Hop, on soigne celui-ci. Merci de ce sauvetage. J'avais les preneurs que vous avez participé. Un autre ici. Il peut nous manquer un seul petit élémentaire à tuer. Et un seul petit terrestre à sauver. Ok. Ça c'est bon et on va sauver ce petit gars. Évidemment je me fais interrupt. Bon, allez, carnage élémentaire en plus. Et on peut le... Non je ne peux pas. S'il vous plaît. C'est bon. Je vais juste sauver mon petit raffineur. Pourquoi quand il continue à faire... Ouais ils ont sensiblement les mêmes lignes tous. Ok. On va valider juste ici. Alors, la production a pris un retard terrible. Le personnel de la mine va devoir mettre des bouchées doubles pour attraper le temps perdu. C'est une chance que vous ayez été là. Ces élémentaires sont une vraie nuisance, une vraie nuisance. Surveillez vos arrières. Ok, très bien. Donc pour lui, c'est bon. Et juste ici. Ah, que signifie ce médaillon? Ce médaillon symbolise le lien qui m'unit à Munderut. Il en a fabriqué un pour moi et un pour lui-même. En rappel de notre lien. Nous les avons échangés lorsque nous avons décidé de fusionner. Il porte des pierres précieuses assorties gravées de fleurs. Munderut est capable de graver des détails incroyables dans les pierres précieuses. Je n'ai jamais vu une telle adresse. Allez, au travail.
Ok. Nous, les terrestres, vivons très longtemps. Nous devons retourner à l'archive régulièrement afin d'y poser nos souvenirs. Et à présent, nous ne pouvons plus les récupérer. La synchronisation avec la machine d'éveil nous permet de garder le savoir nécessaire pour fonctionner. Mais nos souvenirs personnels s'effacent avec le temps. Au fil des millénaires, nous ne pouvons plus en contenir autant que nous l'aimerions. À force de temps, le passé nous échappe, morceau par morceau. Des visages autrefois chéris deviennent inconnus. Voilà pourquoi Munderut et moi avons changé nos médaillons, pour qu'ils se souviennent de ce que nous partageons et de ce que nous avons partagé. Au travail. Ce mignon. Il faut réparer la Les machine. Membres du personnel m'ont dit que vous les aviez aidés à s'échapper de la raffinerie. Mission accomplie. Je vais reprendre l'argile à présent, en vous remerciant. Le travail continue. Ah oui, il est là. Ah oui, il y a les raffineurs qu'on a sauvés. Ah, la zone est évolutive, j'aime bien, j'aime bien. Alors, un esprit embrumé dans la mine. Les ouvriers et les ouvrières disent avoir vu Munderut vers le fond de la zone d'extraction. Trouve-le et dites-lui qu'il doit venir me voir. Il est possible qu'il ne se souvienne pas de moi, qu'il ait aussi oublié que je suis sa fusionnée. Dites-lui de regarder le médaillon qu'il porte sur sa poitrine. Ses souvenirs des moments que nous avons partagés s'effacent, mais le médaillon est un témoignage éternel de notre histoire et notre lien. Les rouages tournent à nouveau. Ok. Je dois aller chercher Munderut dans la mine de Nibelgaz. Ça fait très Donjon Delbuck, je trouve, le nom, la Nibelgaz. Ah, il est là. Munderut. Encore du travail. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Qu'est-ce que je fais ici d'ailleurs? Je devrais recueillir des aiguillons, j'imagine. Tous ces élémentaires m'ont perturbé. Ils rendent la zone assez dangereuse. Je suis un artiste plus qu'un combattant. Il faut réparer la machine. C'est Orsen qui vous envoie et nous sommes fusionnés. Je porte un médaillon, oui, mais je n'ai aucun souvenir. Enfin, ce n'est pas le moment. Vous avez vu les sports tournoyants en arrivant ici? Il me faudrait les aiguillons qu'on trouve dessus pour... Il me les faut pour... Pourquoi déjà? Ah oui, c'est le meilleur outil pour graver les détails les plus fins sur les gemmes que je taille. Vous pouvez aller m'en chercher. Très bien. Continue. Donc il m'en faut combien? Faut que je les tue ou je peux leur foncer dedans? Putain, faut que je les tue. Ah, les gars, écoutez. C'est parti. Alors de faire tous ces sports souterrains. Pour lui venir en aide. Ok, on est déjà à 85, très bien. Ça avance plutôt très vite du coup ça. Après encore heureux j'ai envie de dire parce que sinon... Nous ne serons pas sortis de l'auberge. Ok, là... Là... Ok, top. Hop, et avec tout ceci, tout cela... On va terminer la mission. Il a besoin des petits aiguillons là qu'on voit sur, sur les sports pour pouvoir tout simplement graver, graver les gemmes et peut-être du coup pouvoir lui permettre de graver certaines gemmes pour qu'il se souvienne mieux, je suppose. Et, ah, il est là, il est rentré. Et on voit de... Non. Bah non. Bah oui, mais non. Mais ils lui ont mis le skin de, du marteau de main noire. Je sais pas vraiment si c'est normal ça, mais bon. Gloire à la machine. D'où venez-vous comme ça et qui êtes-vous? J'ignore qui vous a dit que j'avais besoin de ces aiguillons, mais en tout cas merci. Il n'y a rien de mieux pour graver. Il oublie tout. Au travail. Voilà la personne dont je vous parlais, Keldaz. Orsen m'a dit que vous avez joué un rôle crucial contre les élémentaires de la mine. Je m'appelle Keldaz. Je suis superviseur de la milice. Nous sommes venus dès que la nouvelle de l'attaque nous est parvenue à Gundargaz. Le personnel de la mine sauvée a indiqué que les élémentaires venaient de la galerie du Nord-Est. Je vais conduire une partie de mes troupes là-bas pour les aider à apporter des renforts. Si vous voulez encore nous aider, retrouvez-moi à l'extérieur de la grotte et nous chercherons ensemble comment tarir le flot des élémentaires. Et bah top, mais celle qui a le skin du marteau de main noire... Belle erreur. Après belle erreur, oui, parce qu'ils ont vraiment mis l'exactitude. C'est comme si on mettait le skin du Hurle-Sang à un random, quoi. Enfin bon. Oh non, par ici. Ah bah il est blessé. Ah, vous êtes là, nous avons subi plusieurs attaques avant d'arriver jusqu'ici. Malheureusement, Nentaz a pris un mauvais coup et aura besoin de temps pour s'en remettre. Très bien. Les élémentaires viennent de cette grotte. Nous n'y avons avancé qu'un peu avant de devoir nous replier.
J'ai aperçu des lueurs plus loin, une étrange masse brillante semblable à une faille dans l'espace par laquelle les élémentaires passaient. Nous avons réussi à fermer l'un de ces portails, mais il y en a d'autres. Je dois rester avec Nantaz. Je vous confie la suite, si vous en êtes capable, détruisez les failles et trouvez leur point d'origine. Je pense qu'ils se situent plus loin dans la grotte. C'est... failles élémentaires. Ok, ils sortiraient donc directement de leur plan élémentaire, je suppose. Quelque chose comme ça. Je pense. On va descendre dans la grotte, hein. De toute façon il y a que ça à faire. Et on va aller détruire les failles ici. Ah bah oui, il faut tuer le gars au fond qui est du coup sûrement la source de la faille. Hop. Nickel chrome. Et là il y a notre faille avec la source de la faille. Comment il s'appelle? Outgrafr. Monde de faille. Très bien, alors on va juste se focaliser d'abord sur la faille pour éviter l'invocation d'un élémentaire. Et voilà. L'éveiller. Très bien, ce sera à vous. Ce minerai pour intéresser Orsent. Très bien. Hein, est-ce que c'est un minerai qui va permettre à Orsent de comment ça s'appelle? De lui permettre à notre ami Merut là de pouvoir garder sa mémoire plus longtemps ou lui ranimer quelques souvenirs. Je pense que c'est quelque chose comme ça, oui. Top, sortons d'ici et allons valider la petite quêtasse. Alors, j'espère que vous revenez avec une bonne nouvelle. Vous lui parlez d'une grave fragment de faille. Merci. Maintenant que vous avez vaincu, on devrait se débarrasser sans peine du reste des élémentaires et des failles. On a de la chance que vous soyez passé par là. Merci pour votre aide, mon ami. Vous en faites pas pour Nantaz et moi, on regagnera la raffinerie quand il aura repris son souffle. Merci étranger. T'as un pack de Kaoki proc, incroyable. Ce sera top pour le vendeur. Et donc là, on ramène maintenant les classes scintillants. Et je suppose que c'est à travers les classes scintillants là qu'on va pouvoir valider tout ça. C'est mon fardeau. Qu'avons-nous là? Un éclat de cristal d'une grotte scintillante? Je me demande bien pourquoi cela me semble familier. Impossible, c'est un cristal de soin dont j'ai parlé plus tôt. Donc maintenant il va pouvoir guérir l'esprit de Manderut, saccage à la mine de Nibelgaz. Dans les profondeurs scintillantes gardées par la roche vive, ne cherchez ni la vase ni le sable, mais le plus infaisable des joyaux. Alors le cristal reconstructeur pourra un jour vous appartenir. Bien sûr, il s'est souvenu d'un poème ancestral, mais moi qui m'ai oublié. Oh, Manderut. Ah du coup ils se sont oubliés à tout jamais. Quelque chose. Oh non. Ça n'en finit. Bon bah c'est triste. Mais voilà pour ce dernier chapitre, enfin ce dernier chapitre secondaire de des abîmes retentissants. Saccage. C'est où saccage à la mine de Nibelgaz. Eh bien c'est fait, c'est bouclé. Et donc on s'attaquera très prochainement certainement en 4 secondaires de Sainte Chute. Où là les gars ça va être hyper intéressant. Et H-Quête qu'on continuera petit à petit. On a déjà fait beaucoup de quêtes là-bas. Il y en a ici, il y en a une autre qui traîne à l'avancée de Faerine. Tout ça, ça va être fait en temps et en heure. Je vous fais des gros bisous et à très très bientôt.